Bon, place à la 88 qu'on a pu accrocher. Alors, on va finir les petits détails, à savoir poser le klaxon. On va également poser le feu arrière. On va poser le biplace. On va terminer également de fixer le porte-bagages, parce que vous voyez qu'il y a deux trous qui sont sans boulon. On va essayer de placer la boîte à outils en filetant un petit peu donc les boulons de cache de vis, de cache de boîte à outils. Et puis on va installer bien sûr le phare et le poste de pilotage avec les poignées, les leviers, etc., etc. Et on terminera par les élytres sur le réservoir. Allez, c'est parti pour ces petits détails et je vous fais les photos au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, j'ai remonté la selle, donc le biplace. Alors, je l'ai changé, vous voyez, c'est un biplace neuf. Voilà, vous voyez, un petit peu quadrillé, avec une sangle pour le passager. Vous voyez, pas trop mal fini de l'intérieur, de l'extérieur. À l'intérieur, bon, il peut y avoir quelques des perfectibilités. Il est assez dur, mais il a une bonne assise. Il rend pas mal sur une moto ancienne pour une pièce de refabrication. Donc je vais le mettre dans la boutique. On a posé donc la poignée gauche, comme vous pouvez le voir. Donc pas de souci particulier. J'ai fait polir. Alors pour toujours par souci d'économie, ça a été poli, ainsi que la poignée aluminium et le petit pion dessus a été rechromé car trop rouillé pour être réutilisé. Et bien on va faire exactement la même chose de l'autre côté et puis on reprend cette vidéo après quand la poignée de gaz a été remontée. Alors pour la poignée de gaz, c'est un peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus de petites pièces, etc., etc. Donc on va voir ce qui manque, ce qui marche pas et puis on avisera. Voilà. La poignée d'accélération est montée intégralement. Vous voyez là, il y a un petit peu de rouille, mais bon, question de budget, on ne pouvait pas tout rechromer. Donc ça a été poli. Mais bon, ça rend bien. On va positionner le frein avant. Alors il y aura bien sûr la poignée de gaz, mais ben voilà, je la mets qu'en dernier après avoir passé les fils, tout ça. C'est pas la peine de l'esquinter. Vous voyez, tout fonctionne correctement, ça a été graissé. Pour graisser ça, je ne mets pas d'huile, je mets de la graisse à chêne. Alors vous en avez à la boutique de l'atelier de la ville. Bon, le frein avant est mis. Alors je ne l'ai pas tendu, c'est juste pour voir si tout coulisse bien, si ça tombe bien. Vous voyez là, il n'y a pas de problème. On voit les longueurs de gaine. Bon, ça c'est pas un souci, donc c'est terrible. À présent, je vais faire le petit branchement à l'avant sans remettre le phare parce que vous savez que j'ai pas remis le capotage là qui est en peinture. Donc si je remets le phare, ça va me gêner pour remettre ça comme il faut. Donc je vais faire un branchement à l'avant sans la partie phare qui de toute façon est là, hein, prêt à être monté. Voilà, voilà. Je vais remettre bien sûr l'interrupteur ici, comme ça ça sera fait. Et donc je vais faire le branchement à l'avant avec les différents fils et aussi les fils que j'ai dû rajouter pour les masses. Ensuite, eh bien, ça sera presque terminé. On va passer dans un autre truc à faire à l'arrière. Cette mob a un porte-bagages extensible. Et je l'ai chromé en partie et peint d'une autre partie. Et la partie chromée coulisse en fait dans le porte-bagages, vous verrez. Et pour ce faire, il y a un ressort et il faut repasser le ressort à travers les tubes. Alors ça, c'est la deuxième fois que je démonte ça pour le faire. C'est pas toujours très facile, mais une fois que c'est mis, après il n'y aura plus qu'à positionner donc le garde-boue sur l'arrière avec deux trous là-haut et puis bien sûr le reste qui s'accroche ici. Et ensuite, eh bien on passera au montage, j'allais dire à blanc, des élytres, voir si tout se positionne bien, retarder peut-être un petit peu les trous parce qu'il y a pas mal de peinture, pose du jonc, voir si le bouchon va bien, il faut peut-être un peu poncer à l'intérieur
de l'orifice parce que parce qu'il y a toujours un peu de peinture qui se met, et puis à la force la peinture se décolle et puis tombe dans le réservoir, donc essayez de limiter les dégâts. Et puis ça sera fini au niveau de la partie cycle. Il faudra attendre bien sûr que le carénage avant arrive pour le terminer. Ça sera sans doute donc fin de semaine prochaine. Ah oui, et puis dernier point, retarder là, comme je suis en train de faire aussi les filetages de fixation des boîtes à outils, parce que malheureusement j'ai oublié de les protéger pour la peinture, et donc il faut enlever un petit peu la peinture pour que ça fonctionne. Le phare a été monté, donc vous voyez, optique, commande, donc il ne restera plus bien sûr qu'à le mettre en lieu et place. Et l'intégralité donc du faisceau a été fait, et je l'ai testé. Tout fonctionne normalement. Il ne me reste plus qu'à mettre une petite cosse pour le klaxon et c'est tout bon. Ah, on a remis le porte-bagages avec donc l'extension. Alors en fait c'est un ressort qui part de là, il passe là-dedans, il revient ici, il est accroché de deux côtés et ça permet l'extension du porte-bagages. Alors comme vous voyez, il était principalement chromé, mais sur certaines mobilettes il pouvait être peint. Donc pour limiter les coûts, ça a été peint de la couleur de la mobilette, et cette partie qui pouvait se démonter a été chromée pour lui donner un plus bel aspect. Alors je vais le monter. Alors c'est encore un truc un peu bâtard, donc je vais être obligé de démonter en partie le biplace que j'avais soigneusement placé pour reposer ce garde-boue, parce qu'il n'a pas d'extension qui vient en support sur les suspensions, contrairement aux autres, et donc il faut le fixer tout simplement sur le porte-bagages. C'est parti. Et ben voilà les amis, c'est installé. Et ben je peux vous dire que j'en ai un petit peu bavé, parce qu'en fait ce porte-bagages, ben il était dessus, mais il n'est pas tout à fait pour ce type de machine. En tout cas j'ai pu le poser, il a fallu que je modifie un petit peu la fixation du biplace pour que ça fonctionne. Là c'est fait, ça marche, et je vais vous faire une vue arrière pour vous montrer. Voilà, voilà ce que ça donne. Là vous voyez pourquoi il n'est pas tout à fait fait pour la machine, parce que c'est légèrement au-dessus du feu, légèrement, mais bon, ça donne pas mal, elle en jette. Et puis je trouve que du coup peint, ben, c'est pas si moche que ça pour rentrer dans le budget. Voilà. Allez, on va donc, le biplace est maintenant totalement fonctionnel, le porte-bagages est posé, le tableau de bord il est fait. Alors je vais m'occuper un petit peu à présent des accessoires entre guillemets, avec la pose à blanc des élytres pour voir si ça se posera bien. Je les mettrai bien sûr en dernier pour pas les abîmer, parce qu'elles ont été polies ou chromées, je me souviens plus, on va voir. Et les portes aussi de boîte à outils, qui elles sont en aluminium, et donc elles ont été polies. Pose des couvercles de boîte à outils, simplement polies. Vous voyez, ça crache de ce côté et de là. Alors là, il faut que je fasse une petite modification pour fixer l'enjoliveur, parce que la plaque et les vis étaient cassées. Par contre, de l'autre côté, ça va impec, comme vous pouvez le voir. Et puis là vient bien sûr le petit logo Mobimatic, Mobilette. Donc c'est impeccable. Ben voilà. Donc pour l'instant, on va en rester là. Et ben voilà, elle est belle. Ben, si cette journée à l'atelier vous a plu avec le remontage de cet AV88, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner bien sûr, parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui nous suivent mais qui ne sont pas abonnées. Alors n'hésitez pas. Si vous voulez trouver des produits pour restaurer vos cyclomoteurs, ben, n'hésitez pas non plus à le jeter un œil à la boutique de l'atelier de la vigne. Et puis à très bientôt pour une nouvelle journée à l'atelier.